Yo mes potos, bon, bien arrivé à Makassar. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est la première grande ville de Sulawesi. Je suis arrivé hier, genre milieu d'après-midi. J'ai déjà eu le temps de faire un petit tour dans la ville. Je suis allé me balader un peu le soir. On m'avait dit que c'était pas intéressant comme ville. Bah franchement, intéressant ou pas, je m'en tape. Je suis arrivé une heure après, je me sentais déjà super bien. Il y a une super atmosphère. Genre je me sentais genre un peu comme dans un petit Chiang Mai, un petit Bangkok, mais en bord de mer en plus. T'as une promenade au bord de l'eau. Il y avait plein de tables et des chaises sur toute la longueur de la rue avec plein de petits boui-boui qui font à manger. Avec toujours cette ambiance à l'indonésienne, avec des gens super sympas qui arrêtent pas de te faire des sourires, qui veulent se prendre en photo avec toi. Enfin voilà, franchement, bien cool. Du coup, je vais rester là pendant 2 jours et je sais toujours pas où je vais aller. Je suis là en train d'hésiter entre plusieurs endroits. Je pense que bah, je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo. Je vais essayer de me décider dans la journée. Là, bah, je vais aller visiter un petit peu la ville. Je vais aller filmer tout ça pour vous faire profiter comme d'hab. Et puis, bah, on se voit à la fin de la vidéo. Dans un warung, la spécialité c'est le sop konro. Sop konro c'est une soupe avec des ribs de bœuf à l'intérieur et plein d'échalotes servies avec un riz. Franchement, j'adore ça quoi, c'est vraiment de la bombe. Je vais vous montrer ça. Et voilà le sop konro, les ribs de bœuf, la petite soupe avec des échalotes à l'intérieur, des petites échalotes grillées. On peut mettre du citron vert à l'intérieur. Voilà. Et le riz avec. Et franchement, ça c'est de la bombe quoi. Désolé pour les végétariens, mais c'est vraiment bon. Bye bye girls, see you. Bye bye.
Ah, je viens de m'arrêter dans un petit boui-boui pour me boire un café. Franchement, là, l'ambiance, j'aime trop, quoi. Il y a la mama derrière. Là, je pouvais pas trouver plus rousse comme bar en bord de route. Super ambiance, bonne atmosphère, les Indonésiens adorables comme d'hab, des sourires à tous les coins de rue, des selfies aussi. Je sais toujours pas où je vais aller demain, normalement je devrais me prendre un billet d'avion avant d'aller me coucher. J'hésite entre aller à Bali ou retourner sur l'île de Java pour me visiter le volcan Bromo. Je sais toujours pas, j'hésite, je vais peut-être me faire ça à pile ou face, comme ça, ça sera plus simple, je vais laisser faire le destin. Et voilà, bah écoutez, bah je vous laisse mes potos. Je vous souhaite une bonne nuit, enfin plutôt pour moi, et puis bah vous verrez bien dans la prochaine vidéo où j'irai. Allez, bisous, ciao.